l'harmonie du festival. Si le concert finit en retard, c'est pas de la faute aux musiciens. Accueillons vos deux solistes, Alain Trudel au trombone et Jens Lindemune à la trompette.
incredible. There is Sting, there's Madonna, there's Prince, there's Bono, and there's Ivan. And there's Eve. And there's a drummer. That's Danielle, but I call him Jimmy. And now, ladies and gentlemen, the moment you've been waiting for all evening, the superstar from Quebec, the man, the legend. You've heard him, you've seen him for years, you've dreamed of having him on stage, Monsieur Alain Trudel. It is only appropriate that I introduce formally Monsieur Trudel, who was only considered one of the greatest trombone players in the history of the instrument. Perhaps you could translate that to your French friends. You were talking? Okay, can you say it? Oui, donc ce soir, mesdames et messieurs, je vais vous jouer une pièce de Jean Plaza. Et on va ramener ça un peu à des classiques pour un petit bout de temps, parce que là, on a eu pas mal de jazz. On va faire quelque chose qui est un morceau de concours de conservatoire, quelque chose qu'on joue, mais qui a une petite touche de jazz dedans, un petit peu vers la fin. Donc, I think that's what you said, right? That's exactly what I said. When Alain was a young boy growing up in Montreal, he too dreamed of being on the big concert stage underneath these lights. And tonight, he is here. Effectivement, j'aime le poulet.
Donc, ça, c'est une pièce que j'ai commencé à pratiquer quand j'avais 14 ans, puis que j'achète, ça sent bien. Donc, c'était mes variations sur Bluebells of Scotland de Arthur Pryor. Thank you.
Trudell said that he could play the blues because he knows what minus 35 degree weather feels like. Thank you.
Mesdames et messieurs, mon nom est Michel Simard, c'est moi qui ai la chance de diriger cette belle gang qui est là en arrière. Pour ceux qui, ben, je pense qu'il y a beaucoup d'élèves ici ou de personnes qui jouent dans les mêmes harmonies qu'eux. Ça, c'est les professeurs-là, c'est eux qui vont être là lundi matin, qui sont là pour vous le matin, le midi, le soir, qui ne sont pas chez eux la fin de semaine parce qu'ils ont un concert de Noël, parce qu'ils ont un concert de fin d'année, parce qu'ils s'occupent des solistes à Victoriaville, parce qu'ils sont ici au Festival des harmonies, parce qu'il faut qu'ils s'occupent de trouver le répertoire. Il faut qu'ils s'occupent également de faire la réparation d'instruments, de s'occuper du département de musique. C'est des gens qui travaillent beaucoup. J'aimerais, s'il vous plaît, juste qu'on leur donne une bonne main d'applaudissements. À un concours, bien nous, ce soir, comme dernière pièce, on aurait pu faire une pièce virtuose ou quoi que ce soit. On a décidé de vous interpréter une pièce et de jouer tout le monde ensemble. Et ça va être sérieusement notre pièce la plus sérieuse du concert. J'ai demandé à Yann si Alain vont venir jouer avec nous dans l'harmonie. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire notre pièce concours parce que hier, vous avez participé à des compétitions, aujourd'hui et demain encore. Nous, ce soir, ce qu'on va faire, on va faire notre pièce concours et vous allez être nos juges. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On fait une pièce qui est écrite pour les compétitions. Ça s'intitule Gandalf. C'est un gratis de Johan Demey. Et qu'est-ce que je vais vous demander de faire, les étudiants qui sont ici, et vous avez vos professeurs qui jouent dans l'harmonie, c'est le temps. Là, vous jugez. Vous allez vérifier s'ils sont bien assis, la position est droite, si c'est juste, est-ce que c'est musical? Yes. Est-ce que c'est musical? Est-ce qu'on va faire les bonnes notes? Donc, mesdames et messieurs, merci encore une fois d'être venus ici. Merci à notre belle gang de profs. La dernière pièce s'intitule Gandalf du compositeur Johan Demey.